Mesdames et messieurs, une pensée avant de commencer cette émission à tous nos vaillants militaires qui se battent à l'est de la République, ces gens qui sont parfois pas très bien payés, mais qui acceptent quand même de verser de leur sang pour la sauvegarde de l'unité nationale, de l'intégrité de notre territoire. Où que vous soyez, quoi que vous fassiez, un petit mot, un coup d'œil, un clin d'œil à ces militaires-là qui, eux, au-delà de tout, c'est eux qui finalement souffrent, mais c'est nous qui avons la gloire, qui avons la paix. Une pensée pieuse à tous ceux qui sont tombés sous le drapeau. Vous êtes des véritables héros. Et vous avez tout mon respect, vous avez toute mon estime et toute ma considération. Pas que ma considération, mais la considération de Congo Buzz Télévision. Cette émission vous est dédiée. On en parlera avec nos invités. Je reçois trois invités aujourd'hui. Il y a Manix Yandaboufaya qui est cadre de LGD, le parti cher à Monsieur Matatampo Nyomapon. Et on a Joël Kitenge, qui est cadre de l'UDPS, ses communicateurs Union Sacrée. Je fais rappel à lui simplement parce qu'il a été Kadogo, il a été au début de l'armée, on va dire, congolaise, non, je veux dire, l'AFDEL, ainsi de suite. On en parlera avec lui, il va nous expliquer un peu le contour de cette question. Mais comme vous le savez, au cours de cette émission, nous avons lancé un appel. On a demandé à tous ceux qui veulent participer au débat intelligent, républicain, de venir partager. Pas pour parler des hommes, mais pour parler idéologie, pour parler de la vision. Et il y a un qui a répondu, comme toujours d'ailleurs, un qui a répondu, mais celui-ci est un Congolais qui vit à l'étranger depuis plusieurs années. Il a été à l'étranger, il a fait pratiquement toute sa carrière là-bas, master en finance, licence en sciences de droit. On en parle avec lui, son nom c'est Monsieur Magosa Nzungu. Il est activiste aujourd'hui, panafricaniste, analyste politique. On en parle aujourd'hui avec lui. D'ailleurs, je commence par vous saluer tous, mes invités. Comment allez-vous? Ah oui, ça va très bien. Alors, je vais commencer avec Magosa. Magosa, vous allez très bien? Ça va très bien. Alors, vous venez de la France, vous vivez à l'étranger, en Europe, mais vous avez fait le tour de plusieurs pays africains pour implanter et parler de votre idéologie. Dites-nous, comment faites-vous tout ça? En fait, ayant vécu en Europe, on a compris quelques injustices, dont le racisme. C'est pour ça que je dis souvent au Congo, ce qu'on reproche en Europe, on le fait aussi au Congo, parce que le Congo n'a pas de classe moyenne. On a soit les très riches, soit les très pauvres. Mais les très riches du Congo se comportent souvent comme les personnes qui nous font vivre le racisme à l'extérieur. C'est pour ça qu'on a commencé. On a commencé par le mouvement panafricain à traverser l'Afrique pour pouvoir diffuser le message d'ingénierie sociale, ce qui consiste à jouer sur les comportements de la jeunesse. On leur met une idée dans la tête, ensuite c'est à eux de réfléchir. Nous, on n'a pas raison, personne n'a tort, mais quand on met l'idée, ensuite ils réfléchissent. On essaie de leur pousser à avoir le leadership par la pensée, pas par les personnes. C'est le travail qu'on a fait au Mali, on l'a avec Sini Goïta. On a fait ça aussi au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire et en Guinée, on a fait beaucoup de pays. Et en France, on agit vraiment sur des ouvertures de débat. Mais est-ce que vous êtes cette nouvelle génération qui vient imposer le débat, qui vient imposer une ligne, on va dire, assez respectable, mais surtout de la raison, contrairement à vos aînés qui autrefois étaient dans les invectives, dans les insultes, dans le refus de l'autre, dans la peur bleue. En fait, je dis toujours, c'est comme avec les enfants. Si tu frappes ton enfant, il ne va pas écouter parce qu'il ne comprend pas pourquoi on le frappe. Voilà, nous, on propose le dialogue. Nous, on est plus dans l'ouverture du débat. On n'est pas d'accord, très bien, on lance le débat et chacun exprime son avis. On part toujours du principe que le cadre de référence n'est pas le même. Par exemple, si on demande à une personne qui habite à Massina ou à ma campagne, à Mbinza, de définir un mot, ils n'auront pas la même définition parce qu'ils ne vivent pas la même réalité. C'est pour ça qu'on tient compte des avis de chacun et ensuite on essaie de trouver un compromis. J'ai un slogan qui consiste à dire on doit trouver des compromis sans se compromettre. Mais c'est très difficile. Je prends l'exemple du Congo. Souvent, on met les valeurs, la dignité face à l'argent, on choisit l'argent. Parce qu'on a oublié les notions de valeurs suite au manque de l'ECM. Mais comment vous allez faire avec vous là-bas? Déjà qu'il y a un vrai problème avec vos aînés, vos Kétchous, vos aînés, je ne connais pas tous, mais il y en a quand même qui ne sont que dans la résistance, d'autres sont dans les interdictions des concerts, d'autres sont dans les attaques de la culture. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous proposez? Nous, on propose un dialogue. C'est pour ça que je dis, on dit en lingala, banamikyo abetaramunda, mikolo babini. On l'a observé, ils ont conscientisé ceux qui ne connaissaient pas. Mais au bout de 11-12 ans, il n'y a pas de solution. Comme je dis souvent, ils n'ont pas été organisés. Parce qu'aujourd'hui, si les autorités demandent à parler à une entité des combattants, il n'y en a pas. C'est parce que chacun a son intérêt personnel. C'est pour ça que nous, aujourd'hui, on est au croisement de générations.
On a posé la question à nos anciens, qu'est-ce qu'ils ont fait pour nous? On n'a pas eu de réponse. Comme ils n'ont pas eu de réponse, c'est maintenant nous qui allons nous prendre en charge et nous, on va faire le travail de transmission. C'est pour ça que je dis aujourd'hui, on s'organise pour pouvoir évacuer toutes ces personnes qui parlent en mal parce qu'ils ne représentent pas. Aujourd'hui, quand on parle de la diaspora, on parle de Boketchou. Boketchou ne me représente pas. Le souci de la diaspora à l'extérieur, c'est que ceux qui font des bonnes choses se mettent en retrait parce qu'ils ne veulent pas faire briller ce qu'ils font. Alors que ceux qui font de la bêtise sont souvent mis en avant. Donc on va inverser les valeurs et retransmettre d'autres valeurs et créer le nouveau Congolais de demain. Pour terminer, vous n'avez pas peur qu'il vous frappe? Vous n'avez pas peur de l'intolérance, qu'il vous tabasse? Moi, on m'a promis d'ailleurs que si j'arrive en France, ils vont me tabasser. Et puis après, bon, j'ai dit, il y a beaucoup de pays en dehors de la France, de toute façon. Après, sur les menaces, je dis toujours, on est dans un pays de loi et je fais partie des élites françaises. Ce qui veut dire que s'ils viennent pour les menaces, on va prendre des mesures appropriées. Ils vont peut-être faire un peu de garde à vue en prison. Très aujourd'hui, bien. Le Congolais a peur de porter plainte alors qu'on est dans des pays où on peut porter plainte. Merci beaucoup, mais un mot pour l'émission qui vous reçoit aujourd'hui. Très belle émission, très suivie au niveau de la diaspora. Il y a beaucoup de jeunes qui repartagent vos séquences. Il y a les conseils, il y a de l'analyse, il y a des débats. On apprécie en tout cas. Ça change un peu de ce qu'on peut voir d'habitude. Merci beaucoup, Magoza. Ça a toujours été un honneur d'entendre des gens réfléchis, n'est-ce pas, Manix? D'entendre les gens qui vivent à l'étranger assez réfléchis quand même. Parce qu'on est habitué très souvent à, si pas des insultes, mais en tout cas à de la blague ou à de la drague. Mais rencontrer des garçons, des jeunes gens assez réfléchis qui pensent à leur pays, n'est-ce pas intéressant? Bien sûr que oui. Vous savez, Christian, il y a quelqu'un, un auteur anonyme qui dit « Le savoir est un pouvoir et le seul pouvoir qui donne la vraie liberté ». En réalité, la démocratie que nous avons adoptée comme modèle de gestion de la chose publique de l'État devrait d'abord, à la base, être considérée comme un réceptacle des idées pour bâtir un Congo plus fort, comme l'a dit notre hymne national. Et cela revient justement de la responsabilité de toute la communauté intellectuelle, de partager les connaissances, la raison, partager les connaissances, faire le débat sectoriel, c'est par là qu'on va effectivement bâtir un Congo fort. Merci. Sur les idées des qualités. Alors, je commence avec vous, Manix. Il y a un dossier important, le premier sujet, avant de commencer d'ailleurs avec vous, l'actualité, c'est cette question à l'Est de la République, la réflexion des Congobeuses. L'insécurité qui prévaut à l'Est de la République démocratique du Congo, caractérisé actuellement par les affrontements militaires entre le M23 et les FARDC au nord, Kivu, mais aussi l'activisme des autres groupes armés tels que CODECO, ADF, Ituri, préoccupe au plus haut point le gouvernement Samalou Kondé, les chefs de l'État. Félix Tshisekedi s'est profondément impliqué pour imposer à tout prix la paix dans cette partie du pays. Vous vous rappellerez, il y a quelques jours, le commandant suprême des FARDC et de la police a été à Nairobi, au Kenya, pour dialoguer avec les groupes armés. Tout ça dans l'objectif de trouver une solution définitive à cette crise sécuritaire. Selon les conclusions, tous les groupes armés présents ont accepté d'adhérer au processus de paix et de déposer les armes. À la grande surprise, le M23, qui a été partie prenante, décide de violer les accords en reprenant les hostilités. Pour suivre de près la situation de Rutshuru, à Kibumba, où se déroulent les combats, le chef de l'État a même décidé d'annuler sa participation au sommet de l'Union africaine prévu à Malabo. Une réunion de sécurité d'urgence a été convoquée mercredi par le Premier ministre Samalou Kondé pour évaluer l'ampleur de la situation et lever les options. Pour la première fois, de manière officielle, le gouvernement a accusé ouvertement le Rwanda de soutenir le M23. Selon Patrick Muyaya, le soupçon se cristallise sur un soutien qu'aurait reçu le M23 de la part du Rwanda. Donc, cette situation demeure un véritable casse-tête pour le gouvernement Tshisekedi. La question que je pose à vous, Manix, est-ce que ce n'est pas de trop finalement? Est-ce que cette chanson n'a pas longtemps joué et que ce disque doit finalement être retiré de la discothèque? Parce que ça va faire 25 ans, jour pour jour, les tueries à l'Est de la République ne s'arrêtent pas. Effectivement, Christian Bossembe, c'en est de trop. Et la passivité de nos dirigeants laisse quand même toute une nation dans un état de perplexité, parce que nous nous posons des questions si réellement nous avons des dirigeants qui peuvent assurer la protection de toute une nation, la protection de tout un état. Nous sommes un pays souverain, et vous savez, même quand on parle de la souveraineté de l'état, il faudrait toujours la voir dans une parallaxe binoculaire, parce qu'on parle de la souveraineté de l'état et de la souveraineté dans l'état. Et lorsqu'on parle de la souveraineté dans l'état, ici, il est question de justifier la force de l'État à travers les contraintes publiques, bien entendu,
manifestée par l'implication de l'armée, des services de sécurité, mais aussi de la police nationale, qui justifie la force d'un État pour assurer l'intégrité territoriale d'un pays. Mais malheureusement, aujourd'hui, on se rend compte que le Congo est en train de perdre de plus en plus sa souveraineté sur le plan interne. Et déjà même, si au niveau de l'intérieur, nous n'avons pas de souveraineté, nous n'avons pas des forces à pouvoir assurer notre intégrité territoriale, alors qu'est-ce qu'on dira pour le reste en termes de considération dans le concert des nations? Parce qu'il faudrait d'abord que les États tiers vous considèrent comme un État souverain, si seulement vous en êtes capable d'assurer la protection de notre pays. J'ai parlé tantôt de la passivité de nos dirigeants, et vous avez d'ailleurs utilisé le mot le plus clair, « C'en est des trop », cette chanson-là, on n'en veut plus. Mais, bon, écoutez, nous avons un commandant suprême du pays, le président de la République, mais malheureusement, qui se comporte par moments comme un dieu. Vous savez, moi, si j'ai une petite phrase que je peux dire à M. Tshisekedi, M. Tshisekedi, ne vous confondez pas à Dieu. C'est plutôt Dieu qui est lent à la colère, pas vous, M. Tshisekedi. Vous avez le plein droit d'agir. À plusieurs reprises, vous avez présenté les décors de l'insécurité de l'Est sous plusieurs facettes, tantôt comme agression de groupes rebelles, et même devant la tribune des Nations Unies, vous avez semblé accuser certains États voisins d'avoir été complices dans ce genre de choses. Mais jusque-là, Monsieur le Président, vous n'arrivez pas à assumer. Assumer quoi? Alors que votre loi fondamentale, qui traduit la volonté expresse du peuple, considère la guerre aussi comme une réalité constitutionnelle. L'article 86, l'article 143 vous donnent ces cutus-là, ce pouvoir-là, de pouvoir décréter la guerre si nécessité il y a. Mais aujourd'hui, Monsieur le Président... Déjà l'état des sièges, vous lui tirez à boulet rouge juste pour l'état des sièges. Vous dites, et puis il faut dire que c'est pour la première fois, moi depuis que je suis né, c'est pour la première fois que j'apprenne que Kagame partage le même point de vue que les opposants. Kagame a attaqué l'état des sièges en disant que ce n'était pas bien préparé. On a entendu ça de tout le monde. J'ai entendu Matata le dire, j'ai entendu Fayulu le dire, j'ai entendu tous les opposants dire le même langage que Kagame. Non mais... Alors, aujourd'hui, vous lui demandez de faire la guerre. Mais s'il fait la guerre, vous allez encore dire que ce n'a pas été réfléchi, ça n'a pas été préparé. À la fin, on veut quoi? Non mais, Christian Bossembe, ici, il n'est pas question de faire la corrélation de propos des acteurs de l'opposition politique comparablement à celle, du président rwandais. Mais la réalité, elle reste évidente. Cet état des sièges n'a pas été bien préparé. Et les conséquences sont là. Mais vous demandez quand même de faire la guerre. Parmi les préalables posés en termes d'assurance et à la sécurité de la partie Est, vous avez vu le rapport de la commission sécurité et défense du Parlement qui avait d'ailleurs proposé un montant en termes de finances pour la couverture de l'état des sièges pendant une durée bien déterminée. Et ces montants-là étaient un montant de 500 millions de dollars. Et le gouvernement congolais en avait disposé combien? À peine 33 millions de dollars. Et donc, on était déjà incapable sur le plan financier. Parce qu'en réalité, pour vaincre la guerre, cela suppose la compilation de plusieurs stratégies. Ici, on parle de la stratégie militaire, stratégie financière, stratégie économique, là, stratégie psychologique, guerre, stratégie logistique qui implique effectivement de moyens conséquents que l'État doit nécessairement assurer. Alors, mais ce qui n'a pas été le cas. Mais qu'est-ce qui doit être fait selon vous? Parce que vous dites que le chef de l'État, il est long, il est lent, en colère, il se confond à un dieu. Oui, mais qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse exactement? Pensez-vous qu'il suffit que le chef de l'État clique de son doigt pour qu'il y ait... Non mais, écoutez, Christian Bossembe, qu'est-ce que vous voulez? Nous devons savoir, nous tous ensemble, avec le président de la République, que gagner la guerre ne se décrète pas, ne se déclare pas. Et ça ne se fait pas comme on le voit dans les réseaux sociaux où chacun essaye de faire une photo des soldats et dit « les FARDC, allez-y, allez-y ». On ne gagnera pas la guerre de cette façon-là. Même si cela fait partie de stratégies pour stimuler un peu nos éléments de l'armée congolaise. Mais attention, on réussit la guerre avec une implication sérieuse de notre gouvernement. Aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que depuis toujours la nuit de temps, vous l'avez qualifié en termes de plus de 21 ans déjà de crise. 25 ans. De plus de 25 ans. 97, et pour ça, nous en avons perdu de millions et des millions de Congolais. Mais depuis toujours, la même politique que nous avons utilisée, c'est la politique des conséquences. Mais la vôtre, et non la politique préventive, et non la politique anticipative. La vôtre, raison pour laquelle nous tirons les mêmes conséquences. Manix, la vôtre, elle est laquelle? Qu'est-ce que vous proposez, vous, personnellement, qu'est-ce que vous proposez pour mettre fin? Je venais tout à l'heure d'endosser la responsabilité du président de la République en lui rappelant que la guerre est aussi
Déclarer la guerre est l'une des prérogatives qui lui a été reconnue par la Constitution à travers l'article 90. Donc, si le président de la République estime qu'il y a des États voisins, comme il en a déclaré dans les différentes déclarations à l'étranger, autant devant la tribune des Nations Unies, le président de la République peut déclarer la guerre. C'est aussi possible. Mais je suis dans cette proposition-là. Vous voulez que le chef de l'État fasse la guerre. Mais pourquoi pas? Très bien. Parce que question Bossembe, écoutez, s'il vous plaît, vous savez, parce qu'on parle de la guerre, vous savez, dans le droit international, public de la guerre notamment, il définit essentiellement la guerre dans un sens strict, comme la confrontation entre deux États, des États républicains. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, vous avez vu des rapports de l'armée congolaise au sujet des infiltrés de l'armée rwandaise dans le groupe M23. Merci, et cela suffit effectivement pour que la RDC assume ses responsabilités en décrétant la guerre. Parce qu'aujourd'hui, on reste un État victime, un État pleurnicheur, alors que nous avons la capacité d'assurer l'intégrité territoriale de notre pays à travers des stratégies préventives et non stratégie des conséquences. Merci beaucoup, Manix. Alors, M. Magouza, la même chose. Vous êtes parti au Congo en 2000, si je ne me trompe pas. 2001. Alors, vous êtes parti en 2001, c'était en pleine guerre déjà. Exactement. En 97, ça avait commencé. Et vous avez fait pratiquement 20 ans à l'étranger. Exactement. Pendant que vous étiez à l'étranger, se mouraient des Congolais ici. Exactement. Et ça n'a pas cessé, ça continue à le faire. Kabila est parti, Tshisekedi est arrivé, mais les crimes n'ont pas cessé. Comment faire pour arrêter cette affaire d'abord? Vous, quel est votre point de vue et comment faire pour arrêter ça? Après, je n'irai pas dans le sens de M. Manix Iyenda, je ne sais pas écorcher le nom, parce qu'au niveau de l'Est du Congo, ce n'est pas 97, plutôt dans les années 90. C'est pour ça que je dis qu'il faut que chaque Congolais apprenne la géostratégie, la géopolitique et la réelle politique. La question, c'est qu'on a plusieurs niveaux d'intensification au niveau de l'Est. On a des Congolais qui sont complices, on a une armée qui est infiltrée, qu'on doit restructurer l'armée. Et ensuite, on a aussi les ONG et on a les Nations Unies. La MONUSCO fait quoi au Congo? Depuis qu'elle est là, elle n'a pas fait grand-chose. C'est pour ça que je dis à un moment donné, on doit se dire, OK, qu'est-ce qu'on fait? On fait un état des lieux de notre armée. On fait quoi? On augmente les salaires. Et ensuite, on leur donne les moyens. Par contre, au niveau de faire la guerre, ce n'est pas un procédé qui m'intéresse. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ça sera toujours nos compatriotes de l'Est qui seront des victimes, qui vont subir les affres de la guerre. C'est pour ça que je dis aujourd'hui, on doit comprendre que la RDC fait partie du moteur de l'Afrique. Mais nos neuf pays frontaliers n'ont pas intérêt à ce qu'on prospère. C'est pour ça qu'ils auront toujours tendance à déstabiliser avec les intérêts des Nations Unies et les autres entités européennes. C'est pour ça que je dis, on nous fait souvent des rapports qui émanent des Nations Unies, mais c'est les mêmes rapports, ils sont sur place, ils sont impliqués. C'est là où je dis, à un moment donné, il faudrait que les Congolais, nous-mêmes, en restructurant notre armée, on s'assoie, on essaie de trouver des solutions pour l'Est de notre pays. Non, mais Magouza, pour vous relancer, cette question d'infiltration de l'armée, on l'a entendu, cette chanson, on l'a aussi entendu, pardon, mais ça va faire 3 ans depuis que Félix Tshisekedi est au pouvoir. Comment on n'arrive pas à extirper les taupes? Comment on n'arrive pas à appréhender la question? C'est parce que je dis simplement, on n'a pas fait le recensement. Ouais. Le recensement permet d'identifier qui est congolais, qui ne l'est pas. Mais avec tous ces accords qui ont été trouvés sur les périodes de guerre, on brasse toujours. Et quand on brasse, souvent on peut brasser. On mélange des personnes qui peuvent occuper des postes importants et être plutôt des traîtres. Là, j'ai vu des militaires arrêtés, qui ont été arrêtés à l'Est. Ça prouve simplement qu'à un moment donné, on ne peut pas continuer à défendre la souveraineté d'un pays avec des militaires qui ne sont pas là pour l'intérêt général. C'est pour ça que je dis, en 5 ans, on ne peut pas tout faire. On peut essayer de faire. Mais par contre, l'état de siège, pour moi, ça a été mitigé, mais aujourd'hui, ça a quand même ralenti certaines actions, d'où le mécontentement du Rwanda. Parce que s'il n'y avait pas l'état de siège, je ne pense pas que M. Kagame aurait adopté ce qu'il est en train de dire aujourd'hui. Parce que regardez, toujours dans le même ordre d'idée, depuis qu'il y a l'état de siège, c'est quand même bizarre que le Rwanda, qui est le premier producteur du coltan, ne puisse plus produire assez du coltan comme avant. Ce n'est pas possible quand même que depuis qu'il y a l'état de siège, que l'Ouganda, qui est le premier producteur, on va dire parmi les vrais producteurs de l'or, ne soit plus le même producteur de l'or. Est-ce que ce n'est pas ça le moteur de la rancune ou le moteur du problème? C'est pour ça que je dis, à un moment donné, la géostratégie, c'est de se dire, si on se rapproche de l'Ouganda et on néglige un peu le Rwanda, il faut soulever un peu des tensions. C'est pour ça que je dis, à un moment donné, le Congolais doit apprendre à comprendre et lire ce qui se passe. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on est peut-être à l'aube d'un changement où on se dit, le nouvel allié, c'est peut-être l'Ouganda, c'est plus le Rwanda. Mais par contre, pour la population lambda, comprendre qu'on a traité d'abord les Rwandais de frères, aujourd'hui on déclare officiellement que c'est eux qui financent les M23. C'est là où je dis, à un moment donné, si on a une armée solide, on peut défendre l'intégrité de notre pays. Mais par contre, le recensement, la restructuration de l'armée
demande plus de temps. Est-ce que vous pensez qu'il faut faire la guerre au Rwanda? J'essaie de poser la question à ceux qui pensent qu'il faut faire la guerre, de me dire exactement par quel mécanisme vous allez faire la guerre. Si le Rwanda lui-même doute, le Rwanda nie toutes les allégations, il dit que je ne suis pas dedans. Et aujourd'hui, vous avez suivi les Nations Unies, par exemple, appelle au groupe armé, ce qui m'a inquiété, aux groupes armés de rentrer dans le processus de paix, sans parler de l'implication du Rwanda. Si déjà à partir de eux, ils ne voient pas le Rwanda comme pays impliqué, comment vous allez les accuser en disant que c'est eux? C'est pour ça que je précise. Hein, les 9 pays frontaliers du Congo ont des intérêts personnels. Aujourd'hui, les Nations Unies ne peuvent pas indexer le Rwanda parce qu'ils ont peut-être aussi d'autres intérêts au Rwanda. C'est pour ça que je dis que le Congo, c'est la convoitise de tout le monde. Maintenant, la question aujourd'hui, quelles sont les solutions pour l'avenir de cette zone-là? Les solutions seraient d'avoir une armée régulière forte et avec que des Congolais dedans. La question, c'est qu'on nous a ramené des Kenyans, on nous a ramené les Américains pour former à l'Est. Le résultat, il n'est pas là. Les États-Unis n'ont jamais aidé un pays à sortir d'une guerre. On a vu l'Afghanistan. C'est pour ça que je dis à un moment donné, nos militaires, ils ne sont peut-être pas assez payés, mais pour le travail qu'ils font là-bas, ils mériteraient peut-être une augmentation, une formation efficace pour défendre l'intégrité de notre pays. Mais par contre, là, il y a les élections qui arrivent, faire une guerre, c'est peut-être pas une bonne idée. Très bien. Alors, merci, Magouzin. Je reviendrai à vous tout à l'heure. Joël Kitenge, vous avez été Kadogo. Vous avez combattu, vous avez pris les armes, vous revenez de l'école à un certain moment et vous vous êtes retrouvé, vous avez échangé l'uniforme de l'école à celle de l'armée. Je voudrais qu'on en parle aujourd'hui. Ça fait 25 ans que l'on continue à avoir ce problème. Pourriez-vous nous faire le récit de toute cette épopée ou de toute cette guerre, si vous voulez? En tout cas, merci d'abord de la question, de l'invitation, mais également mes co-débatteurs, Malik, qui est un ami personnel. Bon, malheureusement, je vais commencer par lui avant de faire dame et minute, d'ailleurs. Avant vous avez 5 minutes comme tout le monde. Pas de problème, avant d'aller dans tout ça. Donc, Christian, vous l'avez remarqué, d'ailleurs, vous l'avez insisté dans vos questions, puisque Manix et moi, nous nous sommes présentés ici en communicateur du parti politique, défendant un courant, une idéologie qui, on sous-attend que chaque parti politique a un projet de société, une vision d'armée, une vision de sécurité et autres. Et tous les Congolais, les compatriotes qui l'ont entendu, ont senti que la Ligue de grands détourneurs n'a rien proposé. Non, je précise, c'est pas la Ligue de grands détourneurs, vous n'allez pas déformer les termes. C'est LGD, c'est la Ligue du développement. Non, la Ligue de leadership et gouvernance. Leadership et gouvernance. LGD. Leadership et gouvernance. Ce sont mes propos et ma cible. D'accord, allez-y. S'ils voulaient être dans le droit et tout ça leur regarde. Je m'assume. Okay. La Ligue de grands détourneurs ne propose rien, n'a aucune idée. J'ai entendu du mot du président qui se comporte un dieu, les dirigeants qui ne sont pas responsables, passifs et tout, l'irresponsabilité, l'état des sièges qui n'a pas été bien préparé. Bref, nous sommes dans les critiques et cela vient de mon ami Manix Yenda. À sa place, je ne tiendrai pas de ta parole. Et le connaissant et tout, je peux même me réserver de ne pas faire un résumé de qui est Manix. Ah ben alors, ça c'est clair. Je n'irai pas. On n'ira pas de là. Je n'irai pas. C'est pas des jugements des valeurs. Je ne me permettrai. Non, je dis. Okay. Je tente de dire. Ah d'accord. Je ne rate pas. Je ne me permettrai pas de résumer à tout ça qui est Manix. C'est un frère. C'est un ami. Je le souligne et il le sait. C'est un ami personnel. Alors, en attendant les débats, je n'ai rien entendu dans les débats. Mais la question de l'Est, pour aller dans ce qui est Magosa, nous sommes en 90. Et à 90, tout ça, vers 90, la rébellion qu'on appelait Inyenze Ingotanyi naît à l'Ouganda. C'est le Kankéra, puisqu'on appelle ça Kinyarwanda, mais en français, on appelait le Kankéra guerrier, où le colonel qui dirigeait la DEMIAP ougandaise, le colonel Paul Kagame, à l'appui du président ougandais, forme cette rébellion et commence à attaquer le régime de Yoweri Museveni. Bref, en 94, tout est fini. Ils ont renversé, pour ne pas prendre beaucoup plus de temps, ils ont renversé le Rwanda. Ils ont pris le pouvoir. L'armée régulière de Yoweri Museveni, de Juvenal Habyarimana, entre dans le couloir zaïrois de l'époque, y compris les troupes de l'autodéfense qu'on appelait les Ultiramwe, qui combattaient côte à côte avec l'armée régulière du Rwanda et s'installent au Zaïre. Alors le Rwanda prend une idée, il dit il faut. On ne peut pas être en sécurité à l'abri dès lors que ces hommes en armes et munitions vivent au Zaïre. Là aussi, l'Ouganda s'est dit, tiens, j'ai l'armée de Joseph Kony dans le même pays, l'armée de la résistance du Seigneur. J'ai encore l'armée régulière de Idi Amin Dada, qu'on appelle les ADF aujourd'hui, qui ont fui
et qui sont allés de l'autre côté au Zaïre, et Mobutu les nourrit, les utilise. Et à ce stade, il faut le traquer pour sécuriser et consolider la puissance de nos États. Et bref, à ce moment-là, on ne peut pas le faire à nous seuls. Si on prend la frange de nos compatriotes rwandophones qui vit au Zaïre à l'époque, le Banyamulenge, et ça ne sera pas accepté. Il faut associer le Congolais et autour, et voilà l'idée de ce conglomérat qu'on appelle AFDEL, d'importation et d'exportation de Rwandais sur notre sol. Le débit de cette hécatombe, il faut d'abord le traduire en tant que tel. C'est pourquoi Bagos a parlé de la connaissance de la géo. Exactement. Et dans ça, je crois que Manix et les partis dont il a adhéré sont dedans. Et puisque tous sont AFDEL et compagnie et succession, et toutes ces dépendants aujourd'hui, dont LGD, donc viennent de cette suite logique et de tout ce que nous sommes en train de le détailler. Donc tous viennent de l'AFDEL. Exactement. C'est là où ils viennent. Les racines et l'origine, et les pouvoirs, la gestion, les milliards, on le vient de la succession Kabila et compagnie. Et c'est de là où Manix est. Donc c'est pour ne pas aller dans l'autre détail. Oui, mais vous, leader, parce qu'on dit que vous venez du maréchal, vous dites non. Hein. Quand on dit que vous venez du MPR, vous dites non, non, on vient pas non, de là. Non, mais attends, moi, par exemple, du point de vue à mon niveau, de mes recherches, je n'ai jamais nié le fait que Papa Tshisekedi soit un cofondateur du MPR ou qu'il a été avec Marichard avant de devenir UDPS. Donc ça, ce n'est pas un débat. Okay. Et en poursuivant la question de l'Est, elle est, on peut la classer dans trois dimensions. Là, on est dans la rébellion et ensuite, on chasse le Rwanda, reviennent sur la gestion de l'État après les débuts de 98 avec la naissance d'IRCD et la gestion du rwandophone ici à Kinshasa sous Joseph Kabila qui reste aussi un élément où le Rwanda, les Rwandais se sont institutionnalisés, congolisés et occupent le plus haut fonction. Il faut souligner qu'au sein de FARDC, nous comptons au moins à la moyenne presque 500 officiers d'origine rwandaise et ougandaise, à peu près. Exactement, qui sont et qui font un grand problème. Alors, mais là, c'est l'infiltration. L'infiltration, en un mot, on peut le couper, l'infiltration. On peut parler de l'état de siège, l'exploitation de minerais du sol de l'Est, tout a été modifié. Le rapport des forces, tout a été modifié, mais il faut quand même qu'on circoncis l'attaque et les événements de maintenant. Oui, les événements de maintenant, parce que vous n'avez que 2 minutes. Exactement. Les événements de maintenant sont liés à ce qu'un élément qui me semblerait être d'accord de tous les autres, c'est cette attitude où le président de la République a des informations, il sait qui est qui au sein de l'armée, ni dans son entourage, mais néanmoins, il prend un temps pour décider, pour agir. L'option de la guerre, je ne suis pas pour la guerre. Je vais le dire, pourquoi peut-être pas une autre tour de la table. Mais par contre, les chefs d'état-major général, il sait qu'il y a un rapport, on a relevé dans le poste de commandement un poignet des officiers d'origine rwandaise qui étaient au poste de commandement et on les a envoyés à Kitona pour une mise à niveau. Et après qu'ils aient fait 3 mois, ils les ont récupérés au centre supérieur ici et dans la toute récente mise en place, il les a remis à leur poste de commandement. Ça, seul lui-même peut le motiver ou les gens de son entourage. Et cet élément, ces hommes ont tiré, d'après certaines sources, de manière délibérée pour donner un prétexte au Rwanda de venir officiellement dans notre sol. Pourquoi ? En riposte, les bombes sont tombées chez moi, on m'a attaqué. Et en termes de riposte, je vais venir pour que l'aide et l'assistance militaire et logistique au M23 s'efface de manière officielle par traîtrisme. Donc c'est nous qui provoquons. Certains ont filtré au sein de l'armée qui ont provoqué, je peux même vous le dire, qu'au sein de l'armée, il y a quelques mutineries dont des officiers supérieurs ont été tués par nos forces armées, les qualifiant de traîtrisme dans ces niveaux-là. Et là, le chef d'état-major, le conseil supérieur de la défense, sait à quoi ils se sont permis de remettre ces officiers à leur place récemment mis et ils ont créé cet état où moi je pense que l'état congolais ne peut pas à ce moment-ci, pour des questions qu'il y a, de ne pas, le Rwanda est d'abord jaloux, de ne pas permettre à ce que la route qui relie Kassindi vers l'Ouganda, l'asphaltage là qui débite, qui va passer par Routchour, Reni, Beni et l'Est, et qui sera d'une route d'intérêt économique énorme entre le Congo et l'Ouganda. Très bien. Il n'a pas intérêt pour que ceci. Vous aurez la parole tout à l'heure. Oui. Je reviendrai. Oui, vous allez revenir à l'autre tour de parole. D'accord. Manix, on revient sur la question. Le M23, on nous apprend que le M23 a été défait à l'époque de Kabila. On ne comprend pas que le M23 revienne aujourd'hui avec force, tuant, massacrant à leur passage. Tantôt ils veulent le dialogue, tantôt ils ne veulent pas le dialogue. On se pose la question, à quoi on joue finalement dans cette histoire? Cela dénote effectivement l'échec des stratégies militaires que nous avions adoptées dans le temps. Parce qu'à une certaine mesure, nous devons nous en prendre aux résultats.
de toutes les stratégies proposées par le gouvernement de notre pays, par le service militaire, le service des défenses, pour protéger le Congolais. On peut faire toutes les incantations qu'on est en train de faire tout à l'heure là, mais les Congolais sont en train de mourir. Il y a des femmes qui sont violées. Vous pouvez raconter, endosser la responsabilité au LGD, accuser ceci, accuser cela, mais les Congolais sont en train de mourir. Oui, depuis 25 ans, ils meurent. Maintenant, il faut trouver des solutions. Non, mais effectivement, si les Congolais mouraient depuis 25 ans, d'où la responsabilité de ceux qui gèrent le pays aujourd'hui. Ils ont la plus grande responsabilité, effectivement, d'arrêter cette hémorragie. Il y a même ils mouraient aussi quand vous étiez au pouvoir. Le problème, ce n'est pas de mourir hier, s'il vous plaît, Christian. On parle de la mort de Congolais. Bien sûr. Alors ici, si les Congolais mouraient hier, alors moi, mon appel, des responsabilités que je lance à l'égard de tous ceux qui gèrent le pays aujourd'hui, c'est d'arrêter cette hémorragie des morts. Parce qu'on ne peut pas parler des morts en termes des responsabilités des partis X. Ou encore de partie Y. Alors, comment arrêter... Ceux qui ont échoué hier, ok, ils ont échoué. Mais non, alors, ceux maintenant. Qui sont aujourd'hui, ils doivent arrêter cette hémorragie. C'est comme ça que moi, je voudrais, dans ces débats aussi importants, mon frère Joël Kitenge, essaye quand même, hein, je vous le demande avec beaucoup de souplesse, de faire un effort, d'ôter un peu votre étiquette des Kadogo dans un débat des acteurs politiques, parce que ici, nous réfléchissons politique, nous devons proposer des idées, effectivement, pour apporter des solutions à ce problème. Ne venez pas avec ces genres d'attaques sur le LGD, d'attaques sur Matata. Les débats n'est pas là. Les débats, c'est la sécurité des Congolais, la sécurité à l'Est, proposition par rapport à ce qu'on peut donner comme acteur politique pour envisager, effectivement, des stratégies aussi efficaces afin d'arrêter cette hémorragie. Oui, quand je parle de la guerre, ce n'est pas parce que nous n'avons pas à tenter les autres stratégies avant. Nous avons déjà tenté. D'ailleurs, cette histoire de la guerre de l'Est a plusieurs ramifications. Raison même pour laquelle on considère cette guerre-là comme une guerre asymétrique, parce qu'il y a beaucoup de considérations qui entrent dans la ligne de compte. Mais attention, nous avons utilisé la stratégie diplomatique, ça n'a pas marché. Nous avons fait combien de conventions militaires entre la RDC et l'Ouganda, la RDC et le Rwanda, ça n'a pas marché. Nos autorités, les autorités des deux États, se sont rencontrés combien de fois? Ça n'a pas marché. Le président de la République s'est plaint devant son peuple dans le différent concert de Nations Unies. Ça n'a pas marché. Mais la seule stratégie qu'on n'a pas encore utilisée jusque-là, c'est la stratégie de la réciprocité. Vous savez, quand on parle d'un État, on le dit d'ailleurs tout le temps, nous, en tant qu'acteurs politiques, les États, c'est les rapports de force. Vous ne pouvez pas dire, non, la RDC n'a pas à faire la guerre, mais plutôt la RDC est là pour subir tout... Malik, c'est la question, c'est comment on fait la guerre, Malik? C'est ça le problème, je vous ai dit... Comment on va le faire? On décrit tout à l'heure que l'armée, les militaires ne sont pas bien payés, on n'a pas la logistique qu'il faut, on n'est pas si... il y a l'infiltration. Malik, comment allons-nous faire la guerre? Est-ce que, d'abord, est-ce qu'au sein de votre parti politique, par exemple, est-ce que vous avez débattu déjà de cette question? Est-ce que vous avez des idées pouvant nous amener à la sortie des crises? Christian, je vous ai dit ici, à la question de savoir comment faire la guerre, une réponse nous est proposée dans la Constitution sur les mécanismes, la procédure des déclarations de la guerre par le président de la République. Oui, ça c'est formel. Cela est très clair. Mais justement, cela est une réponse dans la pratique à cette question de comment faire la guerre. Oui. Alors, sur le plan pratique, je vous ai dit que le gouvernement congolais devra tirer les conséquences. Aujourd'hui, on voit cette histoire de la Russie-Ukraine. La Russie n'a pas réfléchi deux fois. Et je pense que ce n'est pas le cas aussi pour l'Ukraine. Et aujourd'hui, les deux États s'affrontent avec toutes les conséquences possibles. Pourquoi? Parce que chacun veut d'abord préserver ses intérêts, protéger sa population, protéger l'intégrité territoriale de son pays. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Mais est-ce que vous ne vous trompez pas en comparant la situation du Congo à celle de la Russie? Parce que là, c'est deux pays déclarés. Mais justement, ici, vous avez un pays qui refuse, qui dit que je ne suis pas dedans, que je mange, je ne vous agresse pas. Christian, ils ont dit apporter des preuves. Christian, oui. Christian, n'est-ce pas que dans notre pays, ici, nous avions entendu un communiqué venant de l'armée congolaise qui disait, qui doitait d'ailleurs, qui indexait de doigt le gouvernement rwandais en disant que le Rwanda nous a poignardé au dos. Ici, ce communiqué-là a été lu. Oui, Manix, vous êtes juste. Combien de fois les officiels de la RDC ont reconnu qu'effectivement, le Rwanda
est impliqué totalement dans cette guerre de la partie est de notre pays. Alors, on n'a qu'à tirer les conséquences par rapport à ça. Vous êtes juriste, Manix. Christian Bosembe, on peut parler de droit, mais en même temps, les Congolais sont en train de mourir. Oui, mais ça, c'est rare, c'est facile, Manix, c'est un raccourci. Je voudrais vous dire, vous êtes juriste, vous avez étudié le droit public, vous comprenez, vous savez ce que c'est. Ce n'est pas un pays qui décide que l'autre est agresseur. Il faut qu'il y ait des éléments. Ce n'est pas parce que vous vous dites tous les jours dans vos états généraux que le Rwanda nous agresse que ça suffit pour dire on va faire la guerre. Je voudrais juste savoir si à l'LGD, au niveau de l'LGD, vous avez réfléchi sur comment résoudre ce problème. Si oui, pourriez-vous nous permettre de comprendre votre pensée? Déjà que l'UDPS, comme parti qui gère le pays, n'arrive même pas à nous proposer une politique aussi claire par rapport à cet aspect militaire, à cet aspect de la sécurité. Et heureusement qu'il y a un membre de l'UDPS qui est ici. Il peut nous dire quel a été le projet de société. C'est moi qui pose des questions. Je pose des questions sur l'LGD. Pouvez-vous me répondre, s'il vous plaît? Non, mais moi, je n'ai pas... Christian, je suis en train de réfléchir comme un acteur politique, d'abord, à la base, ok, parce qu'il y a une situation qui dérange le peuple congolais. En tant qu'acteur politique, j'ai ma responsabilité de proposer les recettes de solutions pour endiguer ces problèmes de l'insécurité de l'Est. Et donc, avant même que l'on prenne l'option de tout un parti en termes de responsabilité politique, je m'engage d'abord en tant que Congolais, parce que ce qui se passe, le Congolais qui meurt à l'est du pays, ce sont mes frères, ce sont mes sœurs. Et pour ça, nous devons réfléchir effectivement avec des idées claires pour envisager des solutions aussi efficaces. Mais justement, ce sont ces idées claires que donc j'attends, mais vous ne me les donnez pas. Non mais Christian, je vous ai parlé de la souveraineté d'un État. Je vous ai parlé des attaques. J'ai même fait allusion à combien de fois le président de la République lui-même a remis la responsabilité sur le dos des États voisins qui nous entourent, même si le président n'a pas cité le nom de ces États-là. On connaît. On connaît les rapports diplomatiques entre le Rwanda, l'Ouganda et la RDC. On sait les rapports en termes d'armée entre la FRDC et l'armée rwandaise aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous devons, à la limite, tirer les conséquences. Très bien. Alors, parce que cette hémorragie, mort, de l'insécurité, doit quand même s'arrêter. Alors, Magosa, qu'est-ce que vous entendez comme Manix parle? Qu'est-ce que vous pensez de ces positions et aussi des positions de Kitenge d'ailleurs? Aujourd'hui, est-ce que nous allons continuer à compter les morts? Est-ce que nous allons continuer à dire qu'on tue à l'Est, il faut faire la guerre? Oui, mais comment on fait la guerre? Si on suppose faire la guerre, comment on va la faire? Si on veut, comme vous dites, il faut donner à l'armée des moyens, comment on va le faire quand on sait qu'on n'arrive même pas à soutenir déjà l'assiette fiscale qui n'arrive pas à grandir, même si on voit quelques avancées. C'est une conséquence logique. Après je dis qu'il faut essayer de faire un constat et d'apporter des solutions. Mais depuis tout à l'heure, j'ai l'impression qu'on constate beaucoup. La question, c'est aujourd'hui l'historique est important. C'est là où je dis qu'il faut connaître l'histoire de la partie de l'Est. J'ai précisé que le brassage cause un réel problème. Quand il y a eu un brassage, M. Joël Kitenge l'a dit tout à l'heure, il y a eu des officiers qui occupaient des hautes fonctions dans le pays. C'est-à-dire qu'ils ont eu accès à des informations stratégiques. C'est là où je dis simplement, est-ce qu'aujourd'hui la réciprocité dont parle M. Manixiana, est-ce que nous avons eu des militaires congolais qui ont pu infiltrer l'armée rwandaise? En quoi on est un État alors? Souverain surtout. C'est pour ça que je dis à un moment donné, il faudrait qu'on essaie de s'asseoir et d'essayer de comprendre pourquoi on n'arrive pas à trouver ces solutions. En même temps, le Congolais sont morts. Les Congolais meurent, oui, mais est-ce que c'est aujourd'hui, c'est indépendamment du Congo ou c'est indépendamment des forces extérieures? Assumons, c'est la question. C'est pour ça que je dis aujourd'hui, l'Est du Congo est un intérêt pour beaucoup de pays et beaucoup d'ONG, beaucoup d'entités internationales. Maintenant, le Congolais est prêt à faire quoi? Pour faire la guerre, il faut avoir une armée forte, une armée qui peut aller au front en étant organisée. Ouais. Aujourd'hui, on ne peut pas aller au front sachant qu'on a des infiltrés dedans. C'est pour ça que je dis à un moment donné, vous avez parlé tout à l'heure de l'Ukraine et de la Russie. Mais Poutine, avant de faire la guerre, il a pris du temps. Il a observé. Il a observé l'évolution de l'OTAN, comment ils avançaient vers son pays. Et il s'est dit, à un moment donné, j'ai assisté à la Libye, la Syrie, j'ai assisté à l'Irak, trop c'est trop. Il a tiré les conséquences. Mais il a tiré les conséquences, mais en observant. Mais il a été aussi organisé. Il s'est préparé. Aujourd'hui, c'est la meilleure armée au monde. Donc, soit on investit massivement dans l'armement, en prévision de faire une guerre. Là, on se prépare dès maintenant. Maintenant, est-ce que l'objectif, c'est de faire la guerre à tout prix? C'est là où je veux dire, on ne peut pas trouver des solutions sans passer par la guerre. Est-ce qu'aujourd'hui, si on se lance à la guerre, on est sûr d'avoir une victoire probante? C'est ça la question. Est-ce qu'on va juste tester notre FRDC pour voir s'ils sont forts ou pas? C'est ça la question. C'est pour ça que je dis à un moment donné, on doit essayer de prendre tous ces éléments-là en compte et essayer de trouver une solution adéquate. La solution adéquate serait, par exemple, d'avoir des forces tampons au niveau de nos frontières avec ces pays-là. S'assurer qu'il n'y ait pas de moment où il y a des infiltrations.
comme l'a dit M. Joël Kitenge tout à l'heure, si c'est des éléments des FARDC qui frappent involontairement, c'est une stratégie de guerre. C'est comme ce qui s'est passé avec Pearl Harbor à l'époque de la première ou la deuxième guerre, je ne sais plus. J'ai oublié l'histoire un peu européenne. C'est pour dire simplement, on déclenche un élément pour pousser les Américains à rentrer en guerre. Maintenant, la question, c'est si on lance la guerre, qui sera l'allié de la RDC? Qui sera l'allié du Rwanda? Parce qu'après, ça s'ouvre. Après, ça s'ouvre. Étant donné que vous-même, vous avez dit... Tout cela est déjà détaillé dans les accords, notamment l'accord de Nairobi, par exemple, qui limite par moment les responsabilités de chaque État. Mais vous avez dit... Mais les accords de Nairobi, ce n'est pas des accords militaires, ce n'est pas des accords de guerre. C'est une guerre asymétrique. Comment savoir que c'est que le Rwanda? Il faudra avoir des preuves probantes pour pouvoir dire, OK, on a attaqué parce qu'on est sûr que c'est le Rwanda. Parce que si on attaque et qu'on a les mêmes personnes qui nous font des rapports, qui disent que la frappe n'émanait pas du Rwanda. On est foutu, alors à ce moment-là, on est un pays agresseur. Mais qui doit faire le rapport si ce n'est pas les officiels des... Non, mais justement, les officiels de l'armée congolaise l'ont dit. Et ils ont utilisé des termes le plus précis possible. Ils ont dit que le Rwanda nous a poignardés sur le dos. Oui, mais je ne sais pas quelle est cette formule que l'on doit encore dire pour qu'on comprenne que c'est effectivement le Rwanda qui attaque la RDC. J'écoute ce que vous dites, mais la question c'est vous-même, vous avez parlé du droit international. Le droit international nécessite que pour attaquer un pays, il faudra avoir un consensus avec d'autres entités pour voir si c'est possible de le faire ou pas. Maintenant, la question, c'est si on attaque nous-mêmes, qu'est-ce qui se passe par la suite? Vous êtes un pays agresseur. Vous êtes un pays agresseur. On vous tourne le dos, on vous met un embargo et vous ne vous en sortez pas. On vous fait un tour. Vous-même, vous avez invoqué le droit international, sauf qu'aujourd'hui, Vladimir Poutine a marché sur le droit international parce qu'il estime que quand on doit défendre son pays, on le défend. Mais il est quand même la première armée mondiale. Très bien. Merci, merci Mabouza. Oui, Kitenge, vous avez la parole. Écoutez, moi, je crois que mon ami, tout à l'heure, a voulu faire qu'il faut que je sorte de la peau de Kadogo. Il s'est dit être, lui, l'analyse en politique ou des idées. Mais par contre, j'ai parlé des idées. Et tout ce que les compatriotes ont remarqué, que il est tombé dans le filet de Matata. Mais incomparablement. Tu as un problème avec Matata. Tu as un problème du fait que je sois du côté des Matata ou quoi? Vous parlez du président aussi, hein, il vous comprend. S'il vous plaît. Mais c'est le président de nous tous, ce n'est pas le président de l'UDP. Vous parlez. Écoutez, je crois que. Je ne sais pas pourquoi d'entrée du jeu, tu. Je voudrais. Vous avez déclenché des mots. Kadogo, ça fait partie de mon parcours. Non, mais c'est pas insultant. Je me suis refaire un niveau et toute autre chose et tout ça. Et je ne réfléchis pas à Kadogo. J'essaie de produire des idées rationnelles. C'est qui les Congolais? Tout le monde a remarqué que vous ne faites que constater qu'est-ce que tous les Congolais savent. Tout ce que vous avez dit, dès le début, vous ne faites que des constats de ce que le Congolais et tous les avertis de la scène politique. C'est à vous de nous dire ce que vous devez faire. Alors, pour en dire. En acteur politique, on ne part pas seulement du constat sans arriver aux idées novatrices. Oui, donnez-nous les solutions pour arrêter la guerre. Non, alors, Monique, vous n'allez pas l'interrompre. Il s'est tué quand vous parlez. D'accord, on sait bien le faire tout ça. Non, on va faire ça. Ce plateau n'est vraiment pas intéressant. On sort maintenant du constat et on dit, mais un acteur politique, un scientifique, un juriste ou un parti politique, comme vous le prétendez et tout, entre-temps, mais il arrive même jusqu'à démontrer que l'IDPS nous dit ce qu'il pense de la guerre. Et l'homme de l'IDPS est là. Mais l'IDPS dira, et l'IDPS vous dit, il n'est pas l'idée de l'IDPS, la pensée de l'IDPS, on n'est pas dans l'option de la guerre pour des raisons que je commençais à évoquer et je vais les développer d'ailleurs. Nous ne sommes pas sur l'option de la guerre puisque la guerre, le tueur qui ont sémé deuil et massacre au Rwanda de tout à l'heure, ce sont des tueurs de provocation des officiers qui étaient déjà identifiés comme le porte-malheur. Et nous attendons les responsabilités après enquête au sein de l'armée que le président prenne des décisions importantes et à ce niveau, au chef MG, de s'expliquer qu'attend cela. Puisqu'on sait que ces officiers, étant Congolais d'origine Tutsi, en ordonnant ces tirs vers le Rwanda, c'est pour donner un prétexte de réciprocité au Rwanda qui se verra. Non, mais je suis agressé par le Congo. Je viens. Et ces images-là, le Rwanda les a capturées pour les monter au niveau des Nations Unies, dans la communauté internationale. Voilà ce que l'armée congolaise vient de faire sous mon sol. Et ils en ont au moins des preuves. Et c'est un élément. Quand on est acteur politique, on sait que la scène telle que ça se déroule, on a une idée, on s'est fait une idée et on réfléchit dans ces cas de contexte. Mais pourquoi les éléments présentés par le Rwanda
font objet de crédits, alors que nous, l'armée congolaise, a vu des télés, même si c'est vrai que ce n'est vraiment pas des grandes preuves, je l'ai dit moi-même déjà, on a quand même vu qu'il y avait l'armement rwandais, on a vu qu'il y avait des tenues rwandaises. Est-ce que ça suffit pour dire que c'est trop de preuves? Voilà le problème qu'il y a. Par exemple, lorsque nous avons le Ngomino, le Tourguaneur, qui occupe la montagne des hauts plateaux, donc Minembwe, dans le haut plateau de Fizi. Ces Congolais qui se réclament être Banyamulenge, quelle est la différence entre un combattant turguanero, un combattant Ngomino, un combattant rwandais? Morphologiquement, la langue, l'expression et l'identité, et tout se réclame être Congolais. D'abord, pour cette identité, des questions d'infiltration, on a du mal de différencier un Munyamurenge et un Rwandais. C'est pourquoi Mago a parlé c'est tout à l'heure question d'abord du recensement. Et quand vous lui dites qu'il est le Rwandais, il t'a brandi la carte de l'Équerre. Oui, mais vous l'excluez. Il t'a brandi la carte de l'Équerre, il te dit « Je suis Congolais, je vis à Minembwe ». Et ça pose déjà un problème. Donc, c'est même des FARDC, on a des généraux, des colonels, et il y a même au sein de la police. Même au sein de la police. Même au sein du gouvernement, il y a aussi des gens comme ça. Exactement. Et à ce niveau-là, pour une question d'identité, pour dire non, écoutez, on a attrapé un Rwandais, puisqu'il est Nurugweza, et vous trouvez un Nurugweza Kuna, et l'autre de l'autre côté, et vous les différenciez par rapport à quoi? Une tenue et cette arme. Et vous avez une arme qu'on a mentionnée dans cette arme, armée rwandaise. Dans l'arme, on mentionne le nom d'un pays? Non, pas du tout. Moi, je suis quand même militaire à l'époque, je l'étais bien sûr. Mais on ne mentionne pas le nom d'un pays. Il y a juste la date de la fabrication et du pays qui l'a fabriqué. Soit les Russes, le Japon, l'Amérique, on dit Made in tel. Et ça s'arrête là. Le pays qui les fabrique. Ah donc, vous ne savez pas dire que cet armement vient du Rwanda forcément? Vous allez le dire par quel mécanisme? Puisqu'il n'y a que ceux qui ont acheté ces documents-là qui peuvent vous dire que cet équipement, nous l'avons épuisé et tout, et il y a des codes. Vous allez dire par rapport à quoi? Mais la tenue militaire alors, on ne peut pas voir ça? Des tenues militaires, le couleur de tenues militaires qui sont distinctes de nos tenues peuvent directement être qualifiées comme des tenues étrangères. Mais de toute façon, nous aussi, ces mêmes tenues sont portées au Rwanda, sont portées dans les sites Soudan, puisqu'il faut regarder, suivez la télé, sont portées dans les sites Soudan et dans la branche de rebelles du Burundi. Et même parmi les ADF, ces mêmes tenues-là sont portées. Mais au sein de FARDC, ces genres de tenues qui ont été présentées, nous ne les avons pas. Il y a possibilité de considérer que ces tenues nous viennent de l'étranger. Je vous laisse. Oui, allez-y, vous voulez que dire? Sinon, je vous relance. Oui. Par rapport à l'option de la guerre, il faut regarder maintenant cette implication. Dès lors que ceci a été provoqué de manière efficiente, puisqu'ils ont un plan, un programme, nous ne pouvons pas leur donner un cadeau à ce que le président aujourd'hui déclare la guerre. À une année des élections, Manix Yenda viendra sur le même plateau pour vous dire qu'il n'y a pas de prétexte qu'on nous dise qu'on a financé la guerre. Vous n'allez pas organiser les élections en 2023, s'il vous plaît, soyons sérieux, on se connaît. Il viendra pour vous dire qu'il faut organiser les élections. Parce que si vous allez en guerre, vous n'allez pas aux élections. Mais, parce que vous devez organiser les élections, l'argent pour financer les élections. Vous n'allez pas rester comme ça, c'est un glissement et où les restes et toutes les questions importantes vont se soulever en interne. Et nous n'allons pas progresser ni gagner. Monsieur Magouza, mais par contre, je reviens à vous tout à l'heure. Monsieur Magouza, dans le cas des réciprocités, que pensez-vous de ceux qui pensent, permettez la tautologie, que comme le Rwanda utilise l'M23, pourquoi nous on n'utiliserait pas l'FDLR? Pourquoi nous on ne va pas utiliser la branche militaire contre Kagame, essayer de donner à ces gens-là une base arrière? Mais quand je réfléchissais, je me suis dit, mais écoutez, si on fait ça et que ces gens-là viennent, ils se retournent contre nous, ils prennent au sol, ils se mettent ici et ils continuent à dire après c'est chez eux, comment est-ce qu'on ne peut pas faire ça? Après, pour faire ça, il faut avoir la maîtrise de l'art de la guerre. Oui. C'est pour ça, est-ce qu'on a encore des stratèges dans l'armée congolaise? C'est la question que je me pose. Ou est-ce que les stratèges sont écoutés? Parce qu'ils peuvent avoir des stratèges, oui, mais il y en a plein, mais si on les écoute... Mais est-ce qu'ils sont écoutés aussi? Parce qu'aujourd'hui, si on décide de faire ça, on peut se causer un autre problème nous-mêmes. Oui. Parce qu'on a souvent accueilli... Je dis toujours, l'histoire est importante parce que le maréchal avait cet amour pour le Rwanda. C'est ce qui nous cause aussi certains problèmes. Parce qu'à un moment, il aurait dû les repousser totalement quand ils étaient dans leur génocide ou dans leur conflit, leur dire « réglez ça entre vous ». Mais en ouvrant les frontières, il a créé aussi un autre problème. Mais est-ce que ce n'est pas la France qui l'avait obligé? Puisque Kitengi va nous dire, parce qu'il maîtrise assez l'histoire de ce côté-là, on va nous dire que j'ai vu une vidéo où Léon Kengouadondo le disait si bien que ce n'était pas Mobutu, c'était une imposition. On l'a dit à Mobutu, ouvrez le couloir. Est-ce que ce n'est pas un piège? Si, mais après dans la géopolitique, il y a souvent des décisions qui émanent du pays.
on vous demande d'ouvrir, si c'est pas dans votre intérêt, vous le faites pas. Les Français, ils ont eux-mêmes commis des atrocités au Rwanda. Mmh. C'est pour ça que je dis, à un moment donné, ceux qui nous donnent de leçons sont les plus gros tricheurs. Sauf que nous, est-ce que on peut tricher, on peut le faire, mais est-ce qu'on a... Bah, s'il y a des stratèges, il faut qu'ils soient écoutés. Oui. Parce qu'il faudra peut-être former des milices proprement congolaises, mais pas apprendre d'autres personnes extérieures. Ah, d'accord. Parce que ça devient compliqué. Alors, c'est mais des milices congolaises, mais après, quel crédit ça sera? Parce que quel prétexte vous aurez si ce sont des milices congolaises qui vont attaquer le Rwanda? Il y a, en France, ils utilisent les légionnaires étrangers. Quand ils sont arrêtés, ils ne disent pas qu'ils sont français. Ils partent en mission suicide. Ah, c'est si on t'arrête, tu dis pas que c'est de la France. Mmh. Est-ce qu'on est capable aujourd'hui de créer ce genre de personnes? Mais après, je pense vraiment que la question de l'Est ne se réglera pas par la guerre. Ça peut se régler par des consensus trouvés. Mais comme je dis, c'est une zone. Mais comment discuter, Magos, avec quelqu'un qui n'est pas sincère, que l'on qualifie de pas sincère? On dit qu'Agame n'est pas très sincère. Il a toujours un œil sur votre. Comment vous allez faire pour discuter avec quelqu'un comme ça? Souvent, la plupart des acteurs politiques africains sont juste là pour des intérêts des autres. Les vraies personnes qui sont responsables du chaos sont les entités européennes et occidentales. Ce n'est pas vraiment les pays autour. Et dans le Rwanda, vous pensez que c'est une main-d'œuvre? C'est une sous-traitance? C'est une sous-traitance, comme la géopolitique nous le prouve. À chaque moment, on a utilisé certains dirigeants de pays africains. Quand on n'a plus besoin de vous, on passe à autre chose. C'est pour ça que je dis aujourd'hui, il faudra aussi se concentrer vraiment, j'insiste, sur le recensement. Parce que si on a une armée totalement congolaise, on pourrait éviter ce genre d'incursion-là à l'est de notre pays. Alors, Allez-y, je vous donnerai le temps possible. Vous en faites pas. Au lieu de 3 minutes, vous aurez 5 minutes. Allez-y. Au lieu de 3, vous aurez 5. Il est toujours comme ça, mon ami. Tu vas le donner, Alors, la question, c'est pour la même question que Magosa. Ah non, vous ne répondez pas à la même question. Non. Juste un élément. Vous avez dit que vous avez un ajout à faire. Juste un élément. Ajout pour que Manix parle. Les ADF ont été utilisés côte à côte avec le béret vert à l'époque d'Isaïe. Mm. Et pendant que la rébellion du RCD Goma a débuté, l'armure régulière du Kinshasa a combattu côte à côte avec les ADF contre la rébellion du RCD. Mm. Et ce bataillon Rasta, qui était dirigé par un de fils qui a grandi à Kananga, un de fils de ex-Idi Amin Dada, Tiamoutou, le général Tiamoutou, tout le monde le connaît, les Rastas, on les appelait les Sud-Soudanais, qui ont combattu côte à côte, même quand Kindou est tombé par le RCD, même quand Lodja est tombé, c'est ce bataillon-là, Rasta, côte à côte avec les Zimbabwéens, qui ripostaient avant même la mort de Musée. Donc cette stratégie-là, d'utiliser ces groupuscules pour notre propre intérêt, tourne toujours en défaveur. Mais après, les armes qu'on les a dotées, ils les ont utilisés contre nous. Donc, c'est cet élément que je... Donc, ce n'est pas une bonne idée. Non, c'est pas une bonne non, idée. C'est cet élément que j'ai voulu ajouter. Ça a déjà été en stratégie ici. Mais vous parlez autrefois du M23 qui serait la fabrication du Rwanda. Exactement, le M23. Mais pourquoi nous, on ne fabrique pas aussi? Mais ça, il faut aussi... Un seul élément qui peut nous mettre d'accord avec Manix, peut-être, c'est dans cette capacité où on n'est pas en train de faire les défensifs. Dans la politique, l'anticipation stratégique est importante. Oui, mais à ce niveau, que même si on peut imaginer toute théorie politique et stratégique, à 3 ans, la manière dont l'État était géré, pour arriver à mettre n'importe quelle dimension de stratégie, jusqu'à fabriquer même des groupuscules qui peuvent infiltrer, ou l'opposition au Rwanda, l'opposition en Ouganda, les infiltrer, se peut... Par rapport aux problèmes en Manix interne, vous déjà, vous il y avez énormément de problèmes. Mais pourquoi vous faites ça, Manix? C'est pour faire cette tête. Vous avez le temps de voir. On n'est pas obligé de. Est-ce que nous, on peut convoiter le Rwanda? Non, même pas. Pour quel intérêt? Manix, est-ce que vous pensez que. Parce que le Rwanda, c'est prouvé qu'ils soutiennent le M23. Quand je dis c'est prouvé, c'est nous à l'intérieur. Hein. Ce n'est pas l'Occident, c'est pas les grands groupes, c'est pas la communauté internationale. C'est nous qui estimons que le Rwanda est derrière le M23 et bien d'autres chercheurs. Est-ce que vous pensez que nous aussi, on peut être derrière les opposants rwandais? Est-ce que nous pouvons leur offrir une base arrière ici chez nous en disant, écoutez, venez menacer là-bas? Ou est-ce qu'on peut imaginer comme Mobutu aller détrôner Kagame de là où il se trouve et pour imposer autre chose? Christian Bossembe, vous savez, ces débats, c'est tellement un débat intéressant, c'est vrai. On a besoin des analyses, on a besoin des constats, comme on le fait là. Mais on a aussi besoin de solutions, on a aussi besoin de résultats. Je voudrais bien que dans ce débat, qu'on fasse cet exercice à 3 niveaux. Dénicher un problème, faire le diagnostic et proposer des thérapies adéquates pour résoudre le problème. Et surtout que vous qui gérez le pays aujourd'hui, vous avez la plus grande responsabilité
en termes de la résolution même de cette problématique liée à l'insécurité de l'Est de notre pays. J'ai entendu le président de la République dire que j'ai hérité de Joseph Kabila une armée organisée. C'est M. Tshisekedi qui l'a dit. Et je suppose, cette armée organisée qu'il a héritée entre les mains de Joseph Kabila, qui lui a légué le pouvoir en termes de continuité de l'État, cette armée-là, je suppose qu'elle n'a pas été infiltrée. Et aujourd'hui, le chef de l'État, le président de la République, nous dit que nous avons une armée infiltrée. D'où ma question, si l'armée est infiltrée, monsieur le président, vous en avez la responsabilité. Deuxième chose, je vous ai entendu dire, ben voilà, l'armée est infiltrée, mais comment on va reconnaître réellement la présence des éléments rwandais au sein de notre armée? Vous avez dit, et ce serait tellement difficile de le constater au moyen des armes, parce qu'il n'y a pas des armes rwandaises, tout comme des armes congolaises. Vous avez dit, au niveau de Tenu, ça poserait encore des énormes problèmes. Mais attention, les deux États, la République démocratique du Congo et le Rwanda, ils ont des accords bilatéraux entre les deux États et dans tout le niveau possible, sur le plan des armées, sur le plan des services de sécurité, c'est-à-dire quoi? Lorsque le rapport qui a été transmis par l'armée congolaise qui avait dénoncé les deux éléments rwandais qu'on avait retrouvés dans le groupe M23, qu'est-ce qu'on fait? C'est les deux services des renseignements, les deux services militaires entrent au travail pour vérifier si réellement les deux éléments-là étaient réellement des éléments rwandais. Mais ça a été un. Ça a été fait. Ça a été fait. Mais si c'était des éléments rwandais. Il dit que c'était pas des rwandais. Bon, écoutez, et surtout que nous n'avions jamais entendu le rapport de la RDC sur cette question-là. Et je reviens justement dans le volet de droit international. Parce que dès lors que vous dénichez réellement les éléments rwandais dans un groupe rebelle qui attaque la RDC, à la RDC de saisir les instances internationales pour réclamer son droit par rapport à la sécurité de son pays. C'est par là, effectivement, que le droit international pourra protéger chaque État selon les limites qu'il faut. Et aujourd'hui, moi, je vous ai dit au début, d'ailleurs, que, vous savez, quand on parle des États, c'est vrai, vous avez dit que Poutine a marché sur le droit, etc., mais à la limite, Poutine n'a fait que protéger, assurer l'intégrité territoriale de son pays, protéger ce sujet, la population russe, etc. Son pays n'a pas été menacé. Non, mais son pays a été menacé. Son pays a été menacé pour des raisons multiples. Pas forcément pour des raisons militaires, mais peut-être pour des raisons aussi diplomatiques, parce que vous savez les raisons pour lesquelles la Russie a attaqué l'Ukraine aujourd'hui. Oui, on sait tous, les mais ça n'a rien à voir avec la aujourd'hui, russe. Mais c'est ça qui même justifie la thèse selon laquelle, en politique, c'est les rapports de force qui dominent. Oui. Aujourd'hui, j'ai entendu, on parle de la faiblesse des stratégies de notre pays, mais comment on va endiguer cette guerre si on n'a pas une stratégie militaire forte? Je vous ai dit au début que pour résoudre ce problème, il faut compiler toutes les stratégies. Alors, au-delà de la stratégie militaire, au-delà de la stratégie logistique, au-delà de la stratégie financière, il faut encore des stratégies et stratégies. Et je vous ai d'ailleurs dit que l'État congolais a tenté avec plusieurs stratégies, mais ça n'a pas marché. Sauf la guerre, celle de la réciprocité qu'on n'a pas encore utilisée. Et je pense qu'aujourd'hui, si on essaye de réagir, on pourra. Vous-même, d'ailleurs, en rebondissant, vous avez essayé de créer des possibilités si la RDC pouvait peut-être créer un groupe rebelle dans le Rwanda pour mater, pour essayer un peu d'intimider, etc. Ce sont des stratégies qui doivent être traitées d'abord au préalable par le service militaire congolais. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas continuer à se plaindre à tout moment alors que nous continuons de compter le nombre et de nombre de Congolais qui sont morts. Il vous reste une minute, mais je fais la relance. Oui. Manix, est-ce que vous êtes... comment voyez-vous une affaire de 17 ans, on va dire 22 ans, et vous pensez régler ça en 3 ans, ça, je parle de l'armée, parce que vous dites que le chef de l'État avait dit que l'armée était organisée. Est-ce que pourriez-vous nous dire aussi, en toute sincérité, c'était quand il a dit ça par rapport à son entrée au pouvoir? Vous savez quand il avait dit ça? Parce qu'il avait certainement des dossiers qu'il avait trouvés. Il avait certainement trouvé dans son classeur, il y avait des choses qui ont été dites. Mais est-ce qu'il avait pratiqué lui-même cette armée avant de le dire? Non, mais il ne faudrait pas rendre le président de la République aussi léger que ça. Parce que lorsque le président de la République assume ses propos devant l'opinion publique, cela voudrait tout simplement dire que le président avait toutes les réalités entre ses mains. Je ne pense pas que le président, lorsqu'il disait que j'ai hérité de Joseph Kabila une armée
organisé, c'était juste pour le dire. Mais c'est parce que mais effectivement, il a scruté, il est entré au fond de chaque dossier militaire et il s'est rendu compte que l'armée a été sans être militaire. Mais, je vous explique, c'est que c'est une armée organisée, sans être militaire. Okay. Une armée organisée, c'est une armée structurée. Donc, ça veut dire que nous avions connu une armée structurée. Non, non, ça veut dire qui lui a été légué par Joseph Kabila. Permettez de vous dire. Oui, c'est simplement pour vous dire que quand on dit « j'ai trouvé Congo Buzz structuré », ça veut dire que Congo Buzz a montré qu'il paye les finances, Congo Buzz a montré qu'il paye les agents, Congo Buzz a prouvé qu'il a une fiche de recrutement, tout ça, tout ça. Ça, c'est sur papier. La structure, elle est sur papier. Mais maintenant, quand je reste dans Congo Buzz un mois, deux mois après, je me rends compte que ce que les agents sont en train de se plaindre par rapport à ce qui est écrit sur le papier, il y a une différence. En ce moment-là, je peux dire « mais alors ?» Donc, il y a deux réalités. Et il a bien dit. Mais malheureusement, vous faites la sélection. Vous choisissez ce qui vous intéresse et pas ce qui ne vous intéresse pas. Non, mais il a fait un discours à Goma. Je suis assez d'accord avec vous. Non, il a fait un discours à Goma où il a expliqué tout ça, Manix. C'est cela la raison. Mais ce n'est pas vrai. S'il vous plaît. Christian, vous êtes à la police du débat. Oui. Laissez-nous cette latitude de réfléchir calmement. Vous pouvez peut-être rebondir dans un autre cadre comme co-débatteur. Ah, vous ne m'apprenez pas mon travail, Manix. Aujourd'hui, vous êtes dans votre statut. Non, vous ne m'apprenez pas mon travail. J'éclaire quand il faut éclairer. Il n'y a pas de problème. Je ne suis pas contre vous. Vous avez été sélectif en utilisant deux termes. Parce que ouais, vous avez dit structuré, alors que le président de la République a parlé d'une armée organisée. Bon, ça va de soi, structuré, organisé. Il n'y a pas de problème. Mais vous avez évoqué un exemple de votre propre chaîne, Congo Buzz. Moi, je pense... Quand on parle d'une chaîne organisée, ce n'est pas seulement sur le plan du personnel, comme vous avez essayé de peindre le tableau, mais aussi sur le plan du contenu. Organisé, c'est-à-dire que vous avez aussi un contenu aussi adéquat, un contenu aussi intéressant. Vous payez vos agents, vous faites ceci. C'est tout ça là. L'organisation d'une armée voudrait dire qu'on tient compte de tout. Parce que les conséquences que nous sommes en train de tirer aujourd'hui, si on parle de l'infiltration de notre armée, n'est-ce pas une armée désorganisée? Non, mais Manix, bon, je ne suis pas dans les débats. Magos, allez-y. Allez-y, Magos. Manix, vous avez 6 minutes. Oui, je reviens simplement dans sa logique pour dire que moi, c'est moi qui ai évoqué le propos du président de la République lorsqu'il disait que j'ai hérité de Joseph Kabila une armée organisée. Okay. Et donc, je suppose qu'à ces moments-là, lorsque le président tenait ses propos, l'armée était réellement organisé. Je peux vous donner 1000 exemples. Vous entrez dans une maison qui est assez belle de l'extérieur. L'on vous dit... Quand on parle de l'organisation de l'armée, malheureusement, je ne vois pas que la forme comme vous voulez voit. C'est aussi les contenus. Non, c'est pourquoi je vous ai dit... Attendez, Kitenge. C'est pourquoi, Manix, je vous ai dit... Parce que vous parlez trop du président de l'armée. Ce n'est pas mauvais, il est votre président. Il est votre président. Non, mais c'est lui le commandant suprême. Je veux bien. Mais quand vous faites un débat sur lui, et faites peine de prendre tous les mots qu'il a dit, sinon vous sortez un mot. Il a dit au Kivu, il a expliqué ses propos. Ok. Mais même dans une émission radio, le président vous a dit qu'est-ce qu'il a fait. Pas il m'a dit, il a dit non, mais tout le monde. Vous faites la défensive du président. Oh là là. Christian, s'il vous plaît. Donc vous m'avez fait l'attaque. Non, mais vous m'avez assez interrompu, finalement. C'est pas vrai. Non, mais vous m'avez assez interrompu. J'interromps tout le monde. Et puis j'interromps pas, je relance. Vous interrompez le plus possible. Ça, je peux vous le rappeler. Les gens qui nous regardent. Je vous accorde 2 minutes. Parlez. Allez-y. Épuisez toutes vos idées dans 2 minutes sans interruption. Allez-y alors. Je vous ai dit, ici, nous avons besoin des vraies solutions. Cette façon de faire l'arithmétique politique, non, il ne faut pas me déranger, Christian Bossem, mais s'il vous plaît, je suis en train d'évoluer. Déjà, quand vous évoquez cette histoire de chrono, vous m'interrompez encore davantage. Et donc, quand on parle de la responsabilité de l'État, la responsabilité du gouvernement, ici, nous devons voir la responsabilité du gouvernement au travers les résultats clés. Les Congolais sont morts. Et nous voulons voir que cette hémorragie s'arrête. C'est ça le problème de Congolais. C'est ça le problème, le souci de la population congolaise. Le président de la République n'a pas à constater les choses. Le président de la République n'a pas... Et d'ailleurs, cette histoire de faire de l'arithmétique politique simple, comme vous dites tout le temps, non, ces pays que nous avions détruits pendant 17 ans, 18 ans, on ne peut pas le reconstruire en 3 ans. Mais non, attention. Mais non, attention. Lorsqu'on définit les objectifs d'un État au travers le budget national, on prend en compte tout le secteur national. Et quand on prend le secteur militaire, dites-vous, qu'est-ce qui a été réservé de manière conséquente en termes de protection, en termes de budget, de moyens alloués pour assurer la sécurité de l'Est de notre pays?
C'est à vous de le dire. Puisque nous, on sait ce qui est réservé. C'est à vous de le dire. Si vous trouvez que ce qui est réservé est insignifiant, et par rapport, c'est à vous de nous le dire, de proposer c'est, ce qui est réservé. C'est tellement. Puisqu'on le sait. C'est tellement touchant de se rendre compte que pour un débat aussi intéressant, parce qu'on parle d'un débat de Congolais, je crois qu'au-delà de nos clivages, au-delà de nos tendances, au-delà de nos décorations politiques, nous avons le Congo comme le seul dénominateur commun. Il y a des sujets, il y a des débats auxquels quand on parle, nous devons quand même mettre de côté nos étiquettes. Ici, je ne suis pas venu pour faire le débat du LGD ou encore le débat de l'UDPS. Les débats tournent sur le Congolais, les Congolais qui sont morts. Et pour ça, nous devons faire un débat. Très bien, Mandy, vous avez poussé vos 2 minutes, sans interruption cette fois-ci. Très bien. Vous êtes à l'aise maintenant? Vos 2 minutes vous ont été restituées. Écoute, alors, Magosa. Après, je dirais tout simplement, en fait, là, on fait face à deux définitions différentes, structure et organisation. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on a une armée qui a beaucoup de soucis qui doit être réglée. Et comme je dis toujours, en 5 ans, on ne peut pas tout faire. Et en combien de temps? En fait, la question, c'est la continuité de l'État. On commence et ensuite, on continue. Malheureusement, on ne commence pas. Quand vous parlez, j'essaie de me taire un peu, mais vous interrompez. Excuse-moi, mais malheureusement, on ne commence pas. En fait, avec qui c'est qui dit, on ne commence jamais. Pour dire cela, c'est pour ça que je dis, le Congolais aimerait dans l'idéal que l'Est s'arrête du jour au lendemain. Mais dans l'idéal, c'est dans un idéal. Mais aujourd'hui, la réalité, elle est différente. Comme je le dis souvent, l'histoire de notre pays nous apprend en fait les conséquences de ce qu'on vit aujourd'hui. Mais cette histoire-là, elle est racontée par les autres. À un moment donné, il faudrait que les militaires, les historiens congolais nous racontent l'histoire de notre pays au niveau de l'Est. Parce que quand je précise, il y a 9 pays, on est le seul pays avec 9 frontières. Et tous ces pays autour de nous, par exemple, comment le Rwanda peut être le premier pays exportateur de coltan? Ils n'ont pas de coltan. Parce que nous sommes un pays faible. C'est pour ça que je dis, en fait, pour être faible, vous avez dit qu'on est faible, ok, mais la solution c'est quoi? C'est la guerre. Mais la guerre avec quelle armée? L'armée est là, le truc. C'est pour ça que je dis qu'il faut maintenant s'organiser. Soit on fait des politiques clairement sécuritaires en disant, ok, sur les 5 années à venir, on veut faire la guerre face au Rwanda. Faisons-le. Mais maintenant, la question c'est les moyens alloués pour faire la guerre. Ça demande trouvons de l'argent. Le moyen. D'accord. On va trouver les moyens pour faire la guerre, les moyens pour faire l'élection, les moyens pour recenser, les moyens pour faire les cartes d'électeurs, les politiques économiques. C'est pour ça que je dis quelle orientation on donne aujourd'hui pour le pays. Privilégions le priorité, mon frère. La priorité, c'est la parce guerre. Parce que je ne vois pas les élections avoir de sens sans la paix. D'accord. On n'organisera pas les élections là, avec la guerre. Donc ici, vous nous dites que pour vous, vous serez à l'aise qu'on fasse la guerre et pas les élections. Non mais attention, on parle de qui? On parle de Congolais. Mais justement, comment aller aux élections alors qu'il y a des Congolais qui meurent? Mais vous serez ça n'a vraiment pas de sens. Je suis très convaincu. Non mais ça, c'est vous qui le dites. Voilà. Moi, je veux la sécurité des Congolais. Et vous, ça, vous c'est le une voulez priorité en tant... pour Monsieur le Président de la République. En tant que Congolais, en tant que membre de votre parti LGD. Je vais finir mon propos. Alors, si la vie des Congolais n'est pas une priorité, je me demande... On est dans quelle république? Vous faites des comparaisons qui, pour moi, ne sont pas des comparaisons. Quand vous parlez de l'Ukraine-Russie, vous avez parlé tout à l'heure du droit international. Poutine a le droit de marcher aujourd'hui parce que c'est une puissance forte. Mais un pays africain qui marche sur le droit international... Bah, il est coupé tout de suite. On te tape sur le doigt. Le rapport de force que vous dites, est-ce qu'aujourd'hui, les pays africains ont ce rapport de force pour dire « je marche sur le droit international » C'est à des proportions mesurées, mon frère. C'est-à-dire? C'est-à-dire, nous, par rapport à l'Ouganda, nous, par rapport au Rwanda, on peut avoir un rapport de force déçu sur le Rwanda. Ses propres armes, ses propres bombes, ses propres vous avez donné l'exemple de Mobutu qui mariait le Rwanda. Mais c'était l'Amérique, c'était pas Mobutu. On est l'Amérique sur Mobutu. Ça a toujours été le cas. Vous pensez que le Rwanda mate la RDC sans qu'il y ait une force extérieure derrière? En fait, je dis simplement, quand on va en guerre, ça implique des camps et des alliés. La question, est-ce que vous connaissez tous les alliés du Rwanda aujourd'hui? Il faudra encore connaître les alliés de la RDC. Mais c'est ça en fait la question, c'est qu'aujourd'hui, quel est l'intérêt pour les alliés de la RDC d'aller en guerre contre le Rwanda? C'est ça la question qu'on doit se poser. Parce que faire une guerre, c'est bien. Mais Poutine, quand il fait sa guerre face à l'Ukraine, l'objectif c'est récupérer l'Ukraine. Pourquoi? Parce que l'OTAN a violé les accords suite à la chute du mur de Berlin. C'est pour ça que je dis l'histoire est importante. Si on ne maîtrise pas l'histoire, on ne comprend pas ce qui se passe en Russie-Ukraine. Sauf que si on nous dit que Poutine c'est le méchant, alors que Poutine défend son intégrité nationale. Ce que nous, aujourd'hui, Congolais, on devrait faire,
si on avait une armée prête à aller en guerre. Très bien. Merci, M. Magouza. Je vous trouve très intéressant. Je vous trouve très intéressant, en tout cas. Ça, c'est vrai. Parce que je vous plaît. Non, pas du tout, pas du tout. Mais vous, je vous ai toujours trouvé intéressant, vous le savez, Manix. Non, mais pas du tout. Aujourd'hui, j'ai l'impression que je ne suis pas intéressant. Non, si, si, vous l'êtes. Ah, serrez-moi la main. Non, vous ça, l'êtes. Ça a toujours été si, comme ça. Vous la même formule. Non, par contre, moi, je crois que la manière dont je le connais, il s'est embrouillé aujourd'hui. Pas mal. Pas percutant comme je le connaissais. En tout cas, j'ai bien voulu faire le raccourci. On va terminer avec vous en tout cas. C'est ça. Alors, que j'ai dit. La question, finalement, pour terminer, puisque Magouza parle d'un État fort, Manix parle d'un État qui s'impose, vous aussi vous parlez d'un véritable État. Alors, comment faire pour construire cet État-là? Et vous tous, vous avez 3 minutes pour tout le monde. Mais comment on fait pour construire cet État? Quel est le préalable qu'il faut? Est-ce que, comme Gustave Le Bon le dit, les mentalités, quand elles tombent, les États tombent aussi? Est-ce qu'il faut reconstruire d'abord des mentalités? Est-ce qu'il faut c'est quoi les priorités des priorités? Puisque Manix a dit quelque chose que j'ai beaucoup aimé, entre la guerre et les élections, si la guerre nous garantira un État fort, allons-y faire la guerre, laissons les élections. Mais est-ce que nous sommes prêts, nous, Congolais, à accepter ça? Non, ce n'est qu'un point de vue qui même dans... Là où il est, on n'acceptera même pas. Oh. Pour ne pas citer les noms, puisque ça les gêne quand je cite les noms. Là où il est, on n'acceptera même pas qu'on dit non, on va à guerre et les élections, on va voir ça après. On n'acceptera même pas. Donc, on va même lui dire, mais qu'est-ce qui t'a pris? Comment tu as dit ça là? Et tout ça. Et alors, quand il faut parler de rapport des forces de l'État, puisque tout est revenu, Russe, Ukraine et tout, et d'abord, imagine que la Russie fabrique ses propres armes, ses propres munitions, ses propres bombes, ses propres avions et tout. Nous achetons tout. Et nous devons acheter auprès de ceux qui, entre guillemets, peut-être certains, sont derrière le Rwanda. Avec le Rwanda, puisqu'on achète ce que nous allons partir avec en guerre. Et cette force-là, qui est une force, pas par rapport à la taille géographique, mais par rapport aux moyens et à ceux qui peuvent nous fournir, puisque là, technologiquement, nous ne sommes pas forts. D'ailleurs, presque l'ensemble des quasi des États africains, technologiquement, nous dépendons encore des autres. Vous n'avez même pas de drones. Hein? Vous avez du mal à avoir des drones pour localiser vos adversaires. C'est des constats, en fait. Oui, ça, ce sont des constats évidents. Mais ce sont ces constats-là qui vont vous pousser de dire si je vais en guerre. Vous savez, moi, je suis profondément attaché à la philosophie chrétienne qui dit que lequel d'entre vous qui peut construire un tour, un verset biblique, une maison en étage, un tour, sans quand même qu'il calcule, qu'il évalue ce moyen, ce qu'il a avant de s'ameler. Vous avez 20 000 dollars, tu dis je vais construire une maison à 5, à 6, à 7 niveaux. Mais en fait, tu es fou. C'est clair. Il faut qu'on s'imagine de ce qu'il y a. Il ne faut pas se voiler la face. Qu'on ait perdu nos compatriotes, qui on ne s'en félicite pas. Je suis né à l'Est. Je grandis à l'Est. Moi aussi, je suis né à l'Est. Ma famille est à l'Est. Je le comprends autant qu'il le sent et autant qu'il y a. D'ailleurs, aujourd'hui, on enterre un de mes oncles. Ce n'est pas par la balle. Il est mort sans être malade. On l'enterre aujourd'hui pendant que je suis dans ce plateau ici. Donc, je sais qu'est-ce que ces populations-là endurent. Aujourd'hui, aller en guerre, c'est une fausse option. Et nous ne demandons pas au gouvernement de la République d'oser ces paris. Mais par contre, du point de vue des rapports de force diplomatiques, nous voulons que le gouvernement de la République éclaircisse le langage avec le Rwanda. Pour ma part, j'estime qu'il est temps, du point de vue diplomatique, que les rapports diplomatiques entre nous et le Rwanda s'arrêtent. Quand le gouvernement congolais peut par exemple dire aujourd'hui diplomatiquement, on collabore avec ça, ça c'est d'abord, c'est une pression. C'est une pression puisque le Rwanda lui-même en a mis contre la France en arrêtant la relation diplomatique avec Paris pour des raisons outre des génocides et tout ça. Et après, ils ont pu négocier et puis après, tout est revenu, rose et dans la francophonie. Donc, on peut partir dans ces questions-là et changer la chaîne de commandement au sein de FARDC et pour coordonner réellement d'abord nos forces en interne. Ce que vise le Rwanda, c'est d'empêcher l'asphaltage de cette route qui nous lie avec l'Ouganda. Et cette question est très importante. Et le gouvernement de la République doit chercher le langage à équilibrer entre quand il parle et quand les officiels au sein de FARDC parlent. Il ne faut pas qu'il y ait de frustration et à cet effet. Et moi, je me pose la question. Le général Mbala est là depuis que le président de la République est en fonction. Les questions qu'il devons nous poser tout en reconnaissant que c'est un valérien, un stratège, technicien, tout ça. Est-ce qu'il est important qu'on le garde ou il faut réfléchir à d'autres Congolais qui peuvent faire la même responsabilité. Et c'est ça les questions. Manix, vous terminez. Avant Magouza, quel est votre point de vue, Manix? Comment on fait pour construire un État fort? Quelles sont les priorités? Et qu'est-ce que vous en pensez? On va terminer avec M. Magouza. Je crois l'avoir dit au prologue de mon intervention. Pour moi, la priorité, c'est d'abord le Congolais.
Il y a un dicton qui dit c'est lui qui veut la paix. C'est lui qui veut la guerre, prépare la paix. Non, c'est lui qui veut la paix, prépare la guerre. Qui wish pas qu'il prépare la paix. C'est lui qui veut la paix, prépare la guerre. Exact. Parce que je ne vois pas des élections démocratiques apaisées, transparentes. Dans un climat. Dans un climat des guerres. Mmh. Déjà que nous avions assisté à un contexte aussi particulier lors des élections de 2018, où le peuple de l'Est n'ont pas eu accès aux élections. Pourquoi ? Parce que ils étaient victimes justement de cette histoire de l'insécurité de l'Est. Et donc, nous devons éviter ces genres de choses pour les élections de 2023. Si on veut des élections de qualité, nous devons installer la paix dans notre pays. Et pour installer la paix, il y a des conséquences que nous devons tirer. Il y a la responsabilité de l'État, il y a l'engagement de tout un gouvernement et aussi l'implication du président de la République comme le commandant suprême. Mais je vous ai dit que vouloir installer la sécurité à l'Est implique beaucoup de contours. Parce qu'au-delà de tout, organiser l'armée voudrait équiper l'armée, doter des munitions qu'il faut, payer les éléments de la FRDC, le soldat, à des conditions aussi favorables. Et cela implique justement de moyens financiers conséquents. D'où il faudrait remonter un peu notre politique financière au niveau interne, augmenter la recette, relancer l'économie, etc. Et surtout que le pays qu'on est en train de convoiter aujourd'hui, nous sommes pratiquement au cœur de l'Afrique en termes de ressources naturelles que tous ces États voisins qui nous convoitent aujourd'hui, qui créent même de la désolation au sein du territoire congolais. Et comment nous devons protéger nos ressources naturelles? Comment nous devons faire de nos ressources naturelles, effectivement, des opportunités pour doter à la RDC des financements forts afin d'assurer une armée aussi forte? Ça, c'est aussi une des responsabilités de l'État. Et de l'autre côté, vous avez parlé de l'infiltration des éléments étrangers dans notre armée, cela revient aussi à la responsabilité de notre pays. C'est au gouvernement congolais, c'est au président de la République, aux responsables, aux officiels de l'armée, de dégager les intrus qu'on a dénichés dans notre armée pour avoir des éléments de Congolais qui jurent que Tokoku Fapona Ekolo. Parce que je ne vois pas un Rwandais dans notre armée qui peut être en mesure de dire « Nga nazo kende guerre pona kufa pona ekolo » surtout qu'il est déjà au départ infiltré. Et donc, tout ça là, ça veut tout simplement dire qu'on a besoin d'un pouvoir organisé. Merci. Et cette responsabilité revient sur le dos de M. Tshisekedi, du gouvernement Samalou Kondé. Et à la limite, en termes de responsabilité politique, c'est aussi la responsabilité de l'UDOPES en tant que détenteur de bâton de commandement de la République. Merci beaucoup. Vous devez assumer, on n'a pas besoin des constats, on n'a pas besoin de l'histoire. Oui, c'est vrai, l'histoire, c'est aussi important. Mais attention, nous avons besoin des solutions. Très bien. Nous avons besoin que cette hémorragie. On va écouter Magosa pour terminer. L'histoire, elle est importante, chronique. Non, mais je l'ai dit, je l'ai reconnu. Mais attention, on va raconter l'histoire, on va raconter l'histoire. Les Congolais sont en train de mourir. Magosa, on termine avec vous. Moi, je dirais, pour avoir un état fort, il faudrait déjà avoir le contrôle de la souveraineté nationale du pays. L'intégrité totale. Contrôle des frontières. Une armée forte avec des militaires qui ont un idéal commun, un rêve congolais. Avoir la loyauté et l'intégrité. Ce qui veut dire que moi, j'ai beaucoup de respect pour le feu général Mamadou Ndal. Qui était prêt à tout donner alors qu'il n'est pas de père et de mère. Ouais. Ensuite, une population consciente. Exact. Rélever le niveau de l'ECM, l'éducation civique et morale, très banalisée au niveau du Congo, pour remettre les valeurs, stop au tribalisme. Ensuite, le changement de mentalité. Ça, c'est moi, je mise beaucoup sur la jeunesse avec ma fondation pour agir sur le changement de mentalité. Ça s'appelle comment la fondation déjà ? Fondation Zungu, hommage à mon père qui était un ancien politique congolais qui s'appelait Zungu Ntadi Raphaël. C'est là où je dis simplement, si on change la réalité de la jeunesse congolaise, des moins de 16 ans, parce qu'ils ne sont pas encore dans la gnosologie. Mais les plus âgés, on va leur apporter autre chose. C'est pour ça que je dis le changement de mentalité, la pratique du vadem mekoum, les droits et devoirs. Connaître ça, c'est important. Et ensuite, le changement de mentalité au niveau des adultes. La courtoisie, le souci du rêve commun que Lumumba avait. Aujourd'hui, j'entends des jeunes dire que Lumumba était un rêveur. Je me dis, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné ? C'est l'absence de l'histoire. Ensuite, avoir une forte diplomatie. Ce qui veut dire que quand un pays déclare autre chose, qu'on ait des personnes qui peuvent contrer rapidement. On a eu une déclaration sur un dirigeant kényan sur le fait qu'on n'avait pas assez de vaches. On n'a pas eu de retour directement. C'est M. Matata qui a répondu sur Twitter. C'est pour dire que la diplomatie compte aussi énormément. Et pour finir, je dirais simplement avoir un même discours entre l'armée et la partie civile. Par exemple, le ministre de la communication. C'est qui n'a jamais été enfin, il faut avoir le même discours. On ne peut pas avoir deux sons de cloche différents. Et pour finir, je dirais simplement,
Vous rejoignez aussi M. Denis Kadima qui disait que dans les contraintes des élections, il risque d'avoir la partie sécuritaire. Bien sûr. Finir, je dis simplement, l'Afrique a la forme d'un revolver. Dans la gâchette se trouve, en RDC, c'est France Fanon qui France Fanon, si merci. Si le Congo monte, c'est toute l'Afrique qui émerge. Le livre s'appelle « Damné de la Terre ». Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette émission. Merci à Kitenge, qu'on a appelé en retard. Merci d'être passé vraiment. Merci d'être donné la peine. Merci également à vous, merci à vous Kamen, d'avoir abordé la deuxième sujet. Oui, malheureusement, on n'aura pas beaucoup de temps. Il ne nous reste qu'une minute. On ne peut pas aller plus que ça. On en parlera peut-être prochainement. Alors, merci à vous même aussi. Même si on sait que ces gens-là, Timbosso, sont des experts en violation de la Constitution. Mais on reviendra peut-être pour en parler avec ample détail. Ça, c'est un aspect politique. Vous me verrez peut-être dans une casquette plus politique. Merci. Au front. Alors, mesdames et messieurs, vous suivez cette émission de partout. Si ça vous intéresse, faites comme Magosa, qui lui vient de la France, qui a postulé et qu'on a appelé, rappelé pour passer à l'émission. Faites comme lui. Donc, écrivez-nous sur le bas de vos écrans. Les numéros sont affichés sur le bas de vos écrans. Dites-nous ce que vous faites dans la vie. Quelles sont vos qualités et nous allons vous appeler. Retenez tout simplement que les émissions se passent exactement comme ça. Pas d'insultes, pas d'invectives, avec tout le respect possible. Et surtout, ne mentez pas. Puisque si vous mentez, si je connais l'information, je reviens tout de suite. Allez, en force et en forme. On se retrouve très prochainement. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC.